Hey, bonjour à tous, c'est Jérôme M. Voyance et bienvenue sur ma chaîne de Voyance. Donc aujourd'hui, petite vidéo pour débriefer, sur le match Lens-Nancy qui a lieu ce soir. Mais avant ça, je voulais juste vous dire que pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore et qui cliquent sur ma vidéo, surtout n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Je fais des vidéos de voyance donc sur le football par carte de tarot. Donc, je t'invite à visiter ma chaîne YouTube et à regarder mon travail. Surtout, n'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires. Donc, petit débrief sur le match Lens-Nancy. Donc, qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que ça nous dit? Donc, on a 59% de possession du côté de Lens pour le match. On a 41% pour Nancy. On a 11 tirs du côté de Lens et seulement 2 tirs du côté de Nancy, mais ça, seulement 2 tirs qui leur a permis quand même. Donc, à l'heure où je vous parle d'avoir un match nul pour le moment, on a donc 1-1 en score. À la première minute côté de Nancy, donc dès le début du match, il y a Nordin qui a marqué un but. À la 30e minute, but de Mesloub, ou je sais pas trop. Je crois que c'est Mesloub. Oui, du côté de Lens. Et à 32e minute du côté de Nancy, on a eu un carton jaune de Guessane. Et carton jaune à 64e minute de Gerschbach du côté de Lens. Donc en gros, c'est un match qui a été assez équilibré, que ce soit possession du terrain, que ce soit au niveau du jeu. On retrouve à peu près la même chose des deux côtés. Pour le moment, il n'y a pas eu d'erreur. Donc c'est plutôt pas mal. Et voilà, ça reste quand même assez équilibré. Les côtés étaient aussi assez équilibrés. 2 euros d'un côté, 3 euros de l'autre. 3 ou 4 euros de l'autre, je crois. Voilà, en gros, c'était simplement une petite vidéo pour débriefer sur le match. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, comme je te l'ai dit au début de la vidéo. C'est pas trop mon truc, les débriefs, c'est plus la voyance. Voilà, merci à tous ceux qui ont regardé ma vidéo jusqu'au bout.